wanting to just open up the whole East Coast, a great awakening. Bon Dieu veut ouvrir toute Isla, toute en Ouest là pour nous-mêmes. He wants to fill every church overflowing. A great awakening of who God is. To see His glory and to His mercies. He's still a miracle worker. Oui, son bon Dieu toujours a fait miracle. The days of miracles are not over. Jour miracle pas fini. Est-ce que c'est ça? God is a miracle worker. Bon Dieu, son bon Dieu, qui toujours a fait. So whatever you have need of, n'importe ça qu'on besoin. The windows of heaven are open. Les écluses des cieux sont ouvertes. God is pouring out of His Spirit. Bon Dieu, ajoutez, so all you have to do is just reach out and take hold. Tout ça qu'on vient vous faire, allez lancer à travers la foi, c'est non seulement pour recevoir ça, bon Dieu, bien. So I want to read a few scriptures here. On va lire quelques passages. I want to read in Isaiah 45, verse 8. Non, Isaïe 48, verset 8. Là. 45, verset 8. God wants us to understand who we are. Bon, je veux comprendre qui est-ce que nous sommes. We're not downtrodden. Nous pensons que nous sommes juste là. We're not forsaken. Nous pas abandonnés. But we are children of the King. Nous sommes les enfants du roi. So I'm going to read out of the New Living Translation. Isaiah 45, verse 8. Open up, O heavens, and pour out your righteousness. Let the earth open wide, so salvation and righteousness can sprout up together. I, the Lord, created it. Isaiah 45, verse 8. Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre. Que le salut y fructifie et qu'il en sorte de la foi la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. God desires all men and women to for salvation. He desires that all would be saved. Bon Dieu désire, par bon Dieu, c'est pour tout le monde qu'il va sauver. C'est salut qu'il a apporté pour tous les hommes. That all would be healed. Pour qu'il soit guéri. That all would walk in victory. Pour qu'il soit marché dans la victoire. Because we know who our God is. Parce que nous voyons qui est ce bon Dieu moyen. He's strong and He's mighty. Il est fort. He's mighty to deliver. Et il est très fort, très puissant pour délivrer. Pour capable de délivrer nous, pour sauver nous. Hallelujah. Turn with me to Ezekiel chapter 1. Ezekiel 1er. I have a lot of scriptures, so. On va aller dans l'écriture. It's the word of God, amen. It's the word of God speaking to our hearts. God is still speaking. And He desires that we're hearing. Amen. So in Ezekiel chapter 1, in verse 1, God was giving Ezekiel a vision. He was speaking personal to him. And he says, on July the 31st of my 30th year, while I was with the Judean exiles beside the Kibar River in Babylon, the heavens opened. The heavens opened, and I saw visions of God. Glory. He said this happened during the fifth year of King Jehoiakim's captivity. The Lord gave His message to Ezekiel, son of Buzi, a priest beside the Kibar River in the land of the Babylonians, and he felt the hand of the Lord take hold of him. Amen. Dans Ézéchiel 1er, bien rapide pour vous, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kibar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Jojaquim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kidar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. God wants to give us dreams and visions. He wants to speak to us. Bon Dieu veut parler à nous-mêmes. He speaks to us mostly through His Word. Il parle à nous-mêmes prédominamment à travers sa parole. Sometimes through a small, still voice. Et il ne laisse aussi pas tout petit autant qu'il parle en dehors. But He's still speaking today. Mais toujours à parler aujourd'hui à tout. Here He says in verse 4.
As I looked, I saw a great storm coming from the north, driving before a huge cloud that flashed with lightning and shone with a brilliant light. There was fire inside the cloud, and in the middle of the fire glowed something like gleaming amber. Verset 4, je regardais, et voici, il vint dessus, s'étendant un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'air poli, sortant du milieu du feu. And then as we look at verse 25, you know, God had a message for Ezekiel. He's got a message for us. He wants to open the windows of heaven. He wants us to see Jesus. Bon Dieu, des bons messages pour Ezekiel. C'est même un tout bon message pour moi, pour dire que l'univers des ciels là, vous capable, ouais, Jésus-Christ. He said as they stood with wings lowered, a voice spoke from beyond the crystal surface above them. Above the surface was something that looked like a throne, all made of blue lapis lazuli. And on the throne high above was a figure whose appearance resembled man. From what appeared to be his waist up, he looked like a glowing ember, flickering like a fire. And from his waist down, he looked like a burning flame, shining with splendor. All around him was a glowing halo, like a rainbow, shining in the clouds on a rainy day. This is what the glory of the Lord looked like to me. When I saw it, I fell face down on the ground and I heard someone's voice speaking to me. J'entendis le bruit de leurs ailes, verset 24, quand ils marchaient pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée, quand ils s'arrêtaient et qu'ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur une forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée en haut. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était ce homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'au haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. God wants to show us his glory. Bon, je vais montrer nos gloires. He wants us to seek Jesus with all of our hearts. Il veut nous voir chercher Jésus avec tout cœur. Just as he spoke to men of old, he wants to speak to us individually. Même quand il parlait avec les hommes d'autrefois, c'est comme ça qu'il veut parler avec nous chaque individuellement. He wants to lead us and guide us through his word. Il veut guider nous, il veut marcher avec nous à travers la parole. C'est ça qu'il veut. I don't know about you, but I want to see the glory of God. Bah, moi, la gloire de Dieu plus que jamais. And it's been prophesied over this whole East Coast a great awakening. Pas oublier que des prophéties qui baillent dans zone par ici pour dire que gagner un réveil qui doit éclater. But he expects something from each one of us. Mais on va dire que il espérait la gagne chaque qu'il a. That we would sell out completely to him. Que moi, pas tout nous-mêmes à lui-même. And that we would seek his face. Nous va chercher face de Dieu. Live in this world in victory. Il plaît pour nous d'avoir vécu dans monde ça avec un pile à marcher de victoire en victoire. You know, Jesus was willing to come to this earth to be an example for us. Jésus était d'accord pour venir sous la terre pour avoir un exemple pour nous avec. He would take time away and he would pray and seek his Father's voice. Ça devait faire des bonnes galères en petit temps, mais des bonnes soupçons de devoir aller prier et à chercher la face de son Père. He said, "I only do and say what I see my Father say." Jésus a dit tout ça que moi fais et moi dis c'est ça que moi papa m'a fait, c'est ça que moi fais. Do you remember Jesus went through some storms while he was here on this earth? Est-ce qu'on songe Jésus tout il fait face à quelle tempête pendant qu'il est sur la terre? How did he handle it? Qui j'en peux lutter également fait face avec eux? Qui j'en peux lutter en situation sérieuse? Qui j'en peux passer la nuit? He spent time in the presence of God. Pour que ça peut dépendre de passer temps dans la présence de Dieu. God spoke words to him. Et bon Dieu dit pas la parole nécessaire. And so he was a doer of the word. Et Jésus était un pratiquant de la parole.
So many people, we hear the word, but we're not doing it. En plus de nous, nous entendons ces paroles-là, nous pouvons l'entendre, mais nous pas mettre en pratique. But when we are obedient to God, that's when He's going to pour out His blessings upon us. C'est là que nous obéissons, c'est sa bénédiction que Dieu va tomber sur nous. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. You know, He has such great thoughts toward us. The Word of God said he thinks wonderful thoughts towards us. He said that you could count the sand on the seaside. He said, my good thoughts toward you are more than all those sands. God loves us. Hallelujah. Praise God. So what happened when Jesus, after he was baptized in water, the Holy Spirit descended. He came up out of that water full of power. Full of power. In obedience to his Father's word, you've got to be baptized just like anybody else. And so he was obedient to the Father. And then he was led into a wilderness for 40 days. Et dans l'obéissance, il a accepté pour le Saint-Esprit de conduire à l'identiser là pour 40 jours. Guess who showed up in the desert? Est-ce qu'on dit qu'il est venu dans le désert? The devil. Yeah. And what did he do? He tempted Jesus. And he told Jesus, he says, why don't you cast the stone down and make bread out of it? You haven't eaten for 40 days. And what did Jesus say? He said, it is written, Satan, get thee behind me. Jesus was an example for us. Jésus est un exemple pour moi, ma belle. So when the tempter comes and he whispers in our ears, what do we say? Les tentations vont venir, les Satan vont venir, la tenter ou la parler dans son oreille, qu'est-ce que ça vous fait? Oh, the devil told me all these things. Il y a déjà la bouffée, ça la bouffée à gauche et à droite? No. Non, non, non. No. He talked about the good things, amen? And so the devil had to leave. It says, after a while, the devil got so tired of hearing the word of God, he left for a season. Et Jésus pas fait l'autre philosophie avec Jabla, c'était la parole de Dieu qui a parlé, c'était une question. Il est écrit, et Jabla tellement dans les paroles, il est fatigué, et il a tout défoncé, déplacé pour saison. So what does it mean when he left for a season? Qui ça veut dire, il est défoncé, quitté pour saison? That means he was coming back again. Ça veut dire qu'il va retourner encore. Try some other temptation. Il va le faire des autres manœuvres, des autres tentations. And that's what he does to us. He'll harass us and he'll tell us all kinds of things. Et c'est ça que lui fait, regardez, en pile des fois là, nous on l'a petit. And we have to say, get thee behind me, Satan. Regarde-moi, Satan, dans le nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. And so, you know, you think about how long is a season? Mais qui longue saison? A season is at least 3 months, right? En saison, c'est au moins 3 mois, amen. We just came through summer. Nous t'es fait passer l'été. Now we're in the fall season. Winter is coming soon. How many are looking forward to winter time? Et puis t'as l'air pour savoir dans l'hiver? Me either. Ah oui. But we have seasons of our life, amen? And the devil will leave for a season, but he's always going to come back. And find out if you have any word in there for him. That's why he says you've got to meditate on the word of God day and night. So when the tempter comes, les tentations en venir, les gens. C'est pour nous résister. He's gonna flee. Et pour résister, et même in Jesus' name. Il va aller loin dans le nom de Jésus. Amen. Because there's power in the name of Jesus. Parce qu'il y a puissance en nom de Jésus. I want you to turn with me to Jeremiah 3:15. On va nous aller bien rapide dans Jérémie 3, le verset 15. And I want to read that out of the Amplified Bible. Jeremiah 3:15. Hallelujah. Praise God. And while you're turning there, you know, there was another person also that had some storms in his life, and his name was Jonah. Papi était pour le monde pendant qu'on cherchait Jérémie 3,
Parmi les Jonas aussi qui fait face à quelle tempête dans la ville. Jonah, God spoke to him. Bon, je t'ai parlé à Jonas. And said, Jonah, I want you to go to Nineveh. Il a dit, Jonas, on va aller à Nineveh pour moi. The people are so evil. Mais mon Dieu, c'est ton paquet qui aller dans Nineveh. And if they don't turn to me, they're going to be destroyed. Il va détruire. And Jonah says, no. Jonah dit, non. I'm not going. They're too evil. Yeah, parce que mon Dieu, on trop cruel, on trop méchant. So he turned and went the opposite way. Au lieu de aller à Nineveh, il fait le contraire. To Tarshish. D'aller à Tarshish. And so what happened? A big storm came up in the middle of the water. C'est une grosse tempête qui était levée dans la mer. He had told the people that he was running from God. Et puis il était dit au lieu que certainement c'est une bien désobéissance à la voix de Dieu. So he says, so just throw me overboard. Il dit, prends la guêpe dans la mer. Throw me overboard so you'll be safe. La guêpe dans la mer et puis nous-mêmes, nous vaquer la vie. And they did, and all of a sudden the storm stopped. Je t'ai prends sur la guêpe dans la mer et puis il te guère en calme. But God had already prepared a way of escape for Jonah. Et nous connaissons que mon Dieu avait déjà préparé un chemin pour Jonas. He was in the belly of the whale 3 days. C'est une bonne façon de parler. Smelling all of the stinky stuff. Ah, on connaît un poisson, il sent poisson rien. Un poisson, Jonas était en dedans. Having seaweed wrapped around his head. Il était bien garni en toute sa laine qui en dedans intestin. Poisson, de tout net, des marées, monsieur la Bible. Then after 3 days, he decided to pray. Après 3 jours, Jonas a prié. And to repent. Il était repenti. And so what happened? This fish just vomited out. Et bon, je dis, oh, les poissons, l'autre, tu as vomi Jonas. Exactement, Annie. And then he said, yes, Lord. Et puis les sages lui disent, oui, Seigneur. Oui, moi, je vais aller. I'll be obedient to your word. Je vais obéir à parole. We have to be obedient to the word of God when he speaks to our hearts. À parole, bon, je vais parler avec we eux. Have to go. Ça, nous disons, fais ce que tu fais. Les disons, allez, c'est tout. Ça, nous disons, fais obéir dans les paroles, mon Dieu. You know, my pastor was Lester Summerall. Pastor Pansky, Lester Summerall. And he said that everywhere that he went, everywhere God told him to go, he said, no, I don't want to go there. I don't like those people. I'm not going. Le député a commencé dans le ministère, toute chaque fois, par un mot, je dis, laisse le Seigneur aller là. Après ça, il dit, non, pas bien aller, pas un même ça, pas envie de ça, mon Dieu. Ce côté, mon Dieu, pouvez-vous aller? And he repented and he went and did what God told him to do. Mais après ça, il était repenti, et puis il était obéi, il était ça, mon Dieu, demandé pour te faire. And God was able to use him all over the world. Et mon Dieu était utilisé, laisse le Seigneur à travers le monde entier. Every nation heard the word of God through the shortwave radio. Et était en radio, que était en faire émission de toute nation. On television, on the radio. Maintenant télévision aussi. And so, you know, he said, I never wanted to go any of the places God wanted me to go. Les cigales n'ont personnellement pas de chance, les mots je voulais monter, pas de chance, j'ai envie d'aller. But as he was obedient, mais il était obéi. The windows of heaven were open. Et chaque fois qu'il était obéi, bien sûr, and it just poured out blessings over him. Pour sa bénédiction qui tombait sur lui. There was a storm that came in his life. Et on t'a fait tout élevé dans la vie dessus. He had been traveling all over the world. Il a voyagé à travers le monde entier. He came back to his hometown. Et il retournait la Kylie, la ville natale. And some of his men met him at the airport, and he said, Dr. Summerall. Et t'es quelqu'un dans mon lieu, t'es rencontré dans mes portes, il dit, Dr. Summerall. We're so sorry, we canceled your upcoming meetings. Et mon salut, parce que t'es venu, vous t'es fait une grande réunion, et vous venez venu aussi, réunion par café encore. The TV station has burnt down. Télévision, station télévision. We lost everything. Nous perdons tout le bagage. And Dr. Summerall said, what did you do that for? Il dit, mais pour qui ça va tomber? He said, you call those pastors and you tell them, I'm coming. Les Israélites passent de ça aussi au Namaste. I believe God is going to build bigger and greater than what we've had in the past. Moi, je crois que mon Dieu a fait plus beau bagaille que ça qu'il faut faire auparavant. And God did. Et mon Dieu, réellement, il fait plus beau chose. And we have to know the best is yet to come. Et nous devons connaître que le nom qui est plus beau bagaille toujours. Qu'à finir, derrière. Sauf les parents et ça, qui est plus beau bagaille toujours. So we're back here to Jeremiah 3:15. It says, then in the final time, I will give you spiritual shepherds
after my own heart, who will feed you with knowledge and true understanding. Jérémie 3, verset 15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. God said, I'm giving you a spiritual pastor. Bon, Jésus m'a dit, pasteur spirituel. He's going to feed you. Qui a nourri vous. With knowledge. Avec connaissance. And wisdom. Avec sagesse. Of the word of God. De la parole de Dieu. So that you can live. Pour qu'on vive. You can live in victory. Pour qu'on vive. You can live in peace. Pour qu'on vive dans la paix. No matter what's going on around us. N'importe ce qui a passé dans la vie. God has given us a voice bon Dieu, that we can speak to the storms. On voit, on parler à we can tell them to go in Jesus' name. Dire, Dieu, and Dieu, they Dieu. Have to go. Hallelujah. So he's going to feed us with spiritual knowledge of the word of God. Pastor, it's a big thing. A big responsibility to be a minister or a pastor. Because when we get to heaven, and we stand before the Lord, we have to give an account of how well we spoke the word of truth to you. That you can take hold of that word. And be successful. Pour capable marcher en dessus et en succès. You know the word of God says the entrance of God's word. On connaît que la parole a dit l'entrée de la parole de Dieu. Brings light. Donne la lumière. Brings understanding. Qui to the simple. So whether we're simple or whether we're very intelligent. Même on qui simple ou on sommes qui très intelligent. As we pray and ask the Holy Spirit. Tant qu'on va prier, le Saint-Esprit. To give us wisdom. Qui capable par où as we read the Bible. Tant qu'on va prier la parole. That He would unveil the secret mysteries to us. Et il va aller dans où vers là où voilà où capable voir les secrets cachés. De la parole de Dieu. Hallelujah, it's going to take place. You're going to grow. Et pour ça, on va grandir. You're going to grow. On va grandir. He said to feed. On va grandir. We feed. T'as pas mangé. We speak the word. Et we're sowing the word of God. Dieu, you have to take hold of it. C'est pour prendre parole. You have to eat it. C'est pour manger parole. You have to eat it. C'est pour manger parole. It's not going to do you any good just to hear about it. Et pas seulement si tu bouges ta parole. You have to eat the word of God. Praise God, because it's what God says is the most important thing. You know, storms can be other things, not just hurricanes, not just floods, not just fire, not just landslides. C'est pas seulement les tempêtes naturelles, ça peut aller de l'eau, au moment du feu. C'est pas seulement les tempêtes, ça peut seulement rien. There are other storms that come against us. Oui, il y a nos tempêtes aussi qui arrivent. On a daily basis. Et bien, chaque jour, nous faisons pas ça. We have to keep ourselves stirred up. C'est pour aller toujours prier sur la parole de Dieu. Praying. C'est pour prier. And reading the word of God. Et la parole de Dieu. You know, don't give up. Just continue loving with God. And they will not be afraid. Say, they will not be afraid. Hallelujah. Any longer, nor terrified, nor will any be missing. Amen. Oh, mais ça bouge. Jérémie 23, verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. That's what the word will do for us. C'est ça, la parole de Dieu. We need anointed pastors who are not afraid to preach the word. Le limité onction sous pasteur, sous ministre qui par peur par les paroles dont Dieu j'en ai. Anointed evangelists that will go all over the world to preach the word. Qui onctionner des évangélistes qui peuvent aller à travers le monde pour prêcher la parole de Dieu. God knows what's good for us. Bon, je pense à qui on He loves us. He doesn't want to see us hurting and in pain. Il
pas vrai ou son monde là qui toujours dans la peine, dans la peur. Regardez, nous pouvons dire que nous voulons parole. To heal us. Pour capable guérir. And to rescue us. Capable restaurer. From the hand of the enemy. De la main de l'ennemi. Hallelujah. So what do we have to do? We have to act on the word. We have to do. C'est pour agir sous la parole de Dieu. Hallelujah. Psalms 23 has been such an awesome scripture for me throughout my life, through the storms of life. Yeah. I just want to read that to you again. It's Psalms 23 in the New Living Translation. Sauve-toi. To save time, do you want to read it? And then I'll. Sauve-toi. Ah, okay, nous tout comprenons. Est-ce que tu vas bien ensemble? Est-ce que l'Éternel est mon berger? Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu brûles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de la journée. Amen. He said, even in the darkest valleys, He's there. To lead us and guide us to the storms of life. À travers les tempêtes. And what are we saying? Qui s'en dit? The Lord. L'Éternel is my shepherd. Est mon berger. I shall not want for any good thing. Je ne manquerai de rien. He is the one that leads us and guides us to safety. Amen. He's our stabilizer. C'est lui-même qui stabilise la situation. Hallelujah. Amen. He says, surely his goodness and unfailing love will follow after me. Tous les jours de ma vie. All the days of my life. Tous les jours de ma vie. That's because he's a good father. Parce que c'est bon. He's watching over us. He wants us to be taken care of. That's why he's given us his word. Amen. His word. Et par nos paroles. You know, we are living in perilous times. But God has told us over and over and over in his word. Encore dans sa parole. Don't be afraid. Ne crains point. Don't panic. Do whatever you know how to do. Pray. Trust God. Hallelujah. Don't be afraid. Hallelujah. It doesn't matter. It says whether 10,000 fall on our left or on the right side of us. We don't have to be afraid of what comes near us. Hallelujah. How many know that Satan is walking around like a roaring lion, trying to scare us to death, get the word out of our hearts. But you know what the word of God says? God's not walking. He says here in the word, but God's eyes are running to and fro. Mais sur mon chemin, sur route, la regarder tout habitant de la terre. Throughout the whole earth. C'est ça, à travers toute la terre. Looking for those that have a pure heart. Regardez qui est ce que vous. Hallelujah. Show himself strong. Et pour ça, vous le campez vos côtés. Hallelujah. Isn't that awesome? Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? The devil just walks around. Yeah. Making all kinds of noise. La petite machine. But God. Mais mon Dieu lui-même. His eyes are running throughout the whole earth looking for someone that has a pure heart and that he can give strength to strengthen them, to show himself strong in the midst of the storms. Hallelujah. He is our anchor. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Merci, Seigneur. Hallelujah. Amen. You know, I was in Indonesia, and we had all kind of wonderful, awesome meetings there. Dans l'Indonésie, il y a un pile. We went throughout all the islands, preaching the word. And there were pastors that would come and say, please, come to my island, come to my church. Nobody comes to our islands. Can't you come? We need to hear this word. Nous faisons des paroles, sa parole de vie, ça.
know, we didn't have time, but we saw there was such a great need. Nous pas gagné temps pour nous aller tout côté, parce que c'était rempli de besoin. For ministers to be raised up in the Word of God. Alors qu'il y a des ministres capables de grandir dans la parole de Dieu. To teach the Word. Capables la parole de Dieu, la vérité, la vie, light, la lumière de la parole. And so, you know, while we were there, there was a coup going on. Pendant que nous étions là, il y a un coup d'état. And it was a Muslim country. C'est un pays musulman qui est. People were just tearing everything up in their path. Et on t'a crassé. Burning down churches. Les crassés, même l'église. Persecuting the Christians. Nous avons persécuté les chrétiens. Cutting their heads off. Couper les chrétiens. Putting them on a bamboo stick. Marching to the town to show the power that they had. But there's no power like our God's power. You know, many men and women, they stood up. They said, I'm going to go. I've been hearing the word, not going to go preach the word. And the church grew. And it 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 grew. You know, every some of the banks, they'd have meetings in the banks, and they would have four or five levels in the bank. Dans banque que vous avez fait quelques réunions, on est pour trois, quatre étages. Every room, they were having church services. Dans toute la file, dans toute la salle, wherever they were having church services. On a fait service tout côté. And one time, even on the very top of the garage floor, you know, where they were parking. Et même dans le garage, là, côté que vous mettez une machine, bien entendu. We went up to minister that night. It was packed out with people for as far as you could see. Et même là, vous étiez chargé avec. Hungry for God. Qui était besoin de parole. And as the word of God went forward. Et ta parole, mon Dieu, t'a délivré. Whole families came up to receive Jesus as their Lord and Savior. Recevoir la parole de Dieu. God's no respecter of persons. Mon Dieu, pas fait attention de personne. Yeah. Hallelujah. They've not done anything that God can't forgive and save them from.